Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalture.com. Nous allons évoquer le programme de ce mardi 9 janvier, notamment le Quintet Plus. Il s'agira du prix du Limousin sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Mon préféré pour cette course sera le numéro 12, Atis de Hadou. Certes, il reste sur une disqualification à Cagnes, mais auparavant, il avait gagné avec aisance, avec des révoltures, un Quintet Plus de même acabit. De nouveau confié à Jean-Michel Bazir, à mon avis, il s'annonce redoutable et devrait ainsi confirmer sa victoire dans le Quintet Prix de Mêlée du Maine. Le numéro 13, Balando, conduira à l'opposition, un cheval qui affiche deux places de deuxième en quatre quintets courus, dont celle obtenue dans le prix de Cognac début novembre sur le tracé qui nous intéresse. Cinquième depuis d'un groupe 3, ce numéro 13, Balando, me semble en mesure de lutter également pour la victoire. Numéro 15, Boccaccio, mérite également une mention. C'est vrai qu'il reste sur une disqualification, mais auparavant, le cheval avait terminé troisième du quintet plus prix Saint-Georges de Dinone, c'était début décembre, sur le parcours proposé. Bref, dans ces conditions, il devrait également jouer les premiers rôles dans cette compétition. Attention également numéro 14, Ange de Lune. Ange de Lune qui est confirmé à ce niveau, une victoire et 5 places en 8 quintés courus. Il a également terminé deuxième de cette course l'an dernier. Il sera pieds nus, il reste sur de bons résultats, difficile d'aller contre. On se méfiera également numéro 10, Bourbon Somoli, qui a beaucoup mieux couru que ne l'indique sa 8e place obtenue dans le quintet prix de Cran le 25 décembre. Ce jour-là, il n'a pu s'exprimer dans la phase finale, terminant avec des ressources côté corde. Le numéro 5, Bolide Duguay, reste sur deux podiums en pareille société. Il est déféré les 4 et à mon avis, dans ce lot, il devrait pouvoir tirer son épingle du jeu a fortiori avec Björn Goop au sulky. Le numéro 1, c'est Black Jack Fromm, un cheval dur à l'effort. S'il daigne tracer un parcours complet au trot, il peut parfaitement inquiéter les précédents cités. Je retiendrai en fin de sélection numéro 17, Apprenti Sorcier. Apprenti Sorcier qui reste certes sur 3 disqualifications, qui n'a pas été revu depuis cet été, mais c'est un placé de groupe 1, deuxième de groupe 1 sous la selle, et il a de la qualité. Dès lors, il ne faudrait pas être surpris s'il se classait parmi les 5 premiers d'entrée de jeu. En cas de non partant, ce sera le numéro 8, Aramis Deya. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 9 janvier, 12, 13, 15, 14, 10, 5, 1 et 17. Suite du programme, Vincennes. Dans la première, je pense que Sylvain Roger détient les clés de la course avec le 106 Diamant de l'Arrêt et le 107 Derby du Dollar. Deux chevaux qui ont prouvé leur moyen autre montée et qui s'annoncent redoutables dans cette épreuve d'ouverture. On leur associera le 105 Diamant de Tréaba qui collectionne les bons résultats cet hiver autre montée. Pascal Montulé en attend une nouvelle fois un très bon résultat. Le 105, le 106 et le 107 dans l'ordre du programme. Dans la suivante, la deuxième, Vincent Rimbaud aime beaucoup son poulain, le 207 Filou d'Arquenay, un cheval qui affiche 3 courses, résultat 3 podiums. Attention à lui, il est confié à Eric Raffin pour ses débuts à Vincennes. Il devra, à mon avis, une nouvelle fois louer les premiers rôles et terminer sur le podium. 207 Filou d'Arquenay. La cinquième, j'aime beaucoup le 515 Dominicana. À mon avis, elle est largement la pointure d'une course comme celle-ci. La jument vient d'effectuer une course de rentrée profitable. C'était sur plus court à Vincennes, fin décembre. Elle va monter en puissance sur cette sortie. Elle fait face à un engagement très intéressant au plafond des gains dans une course réservée aux femelles. Et à mon avis, dans ce lot, elle devrait pouvoir s'imposer, le 515 Dominicana. Enfin, dans la neuvième, je vous invite à suivre de près le 912 Défi de Brévol. La sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités. Pourtant, ce cheval a largement la pointure d'une course comme celle-ci. 912 Défi de Brévol. On résume tout ça pour Vincennes. La première, 5, 6, 7 dans l'ordre du programme. La deuxième, le 7. La cinquième, le 15. Et la neuvième, le 12. Cagnes-sur-Mer, Réunion 2. Dans la première, je vous conseille le 101 Nest Love, qui le 27-12 a gagné très facilement sur les haies. C'était en terrain lourd devant 4 de ses rivales du jour. Elle devrait pouvoir répéter le 101 Nest Love, d'autant que la dernière fois, comme je vous le disais, le terrain était déjà lourd. La deuxième, on fera confiance au 202 Arisk, qui vient de s'adjuger une course à réclamer de même facture. En début de mois, c'était sur les haies. Une confirmation est ici attendue sur le Steeplechase. La cinquième, attention au 502 Dakota de Tex et au 503 Grand Garde, respectivement affichés premier et troisième d'une épreuve de même facture fin décembre sur le parcours proposé. Et concernant Vivo en Réunion 3, j'aurai un coup de cœur. Le 311, c'est Brunch du Padouing, qui a beaucoup d'atouts dans son jeu. Le cheval reste sur une série de bons résultats au trot monté. D'ailleurs, lors de ses 6 dernières sorties sous la selle, il n'a jamais terminé plus loin que deuxième. Il est efficace et confirmé sur la piste de Vivo. Il se recommande un chrono d'une 16-6 sur le parcours proposé, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, et il sera également pieds nus, bref, difficile d'aller contre sa candidature. C'est le 311 Brunch du Padouing à Vivo en Réunion 3. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.